L'entreprise s'est lancée dans cette VAE collective, c'est-à-dire pourquoi les salariés de chez vous ont entrepris cette démarche? Alors, nous sommes membres du club d'émetteurs depuis maintenant 2007 et associés aux décisions qui sont prises par le club. Par ailleurs, nous avons une démarche de RSE au sein de l'entreprise. Le pilier social étant aussi de faire grandir nos collaborateurs. Il y a eu cette initiative portée par le club d'émetteurs de proposer cette VAE encadrée, multi-entreprise, qui permet à nos salariés non seulement d'acquérir un diplôme Bac plus 3, mais également l'opportunité d'aller au sein de leur promotion, de visiter d'autres installations et de voir d'autres modèles de fonctionnement. Donner la disponibilité à vos salariés pour qu'ils puissent entreprendre cette VAE. Alors le critère premier, c'est la motivation du salarié. Et le critère presque premier ex aequo, c'est également l'accompagnement par un tuteur qui s'investit à ses côtés. Donc c'est le choix qu'a fait l'entreprise avec la motivation du salarié qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un nouveau jeune diplômé. Donc cette diplomation va apporter quelque chose en termes de déroulement de carrière? Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas parler ni à la place de notre jeune diplômé ni à la place des DRH, mais en tout état de cause, ça lui ouvre des portes, ça lui a permis de faire grandir son projet ou en tout cas d'avoir une phase d'introspection personnelle sur ce qu'il a fait. Ça lui a permis également de découvrir ce qu'était de rédiger un rapport d'étude. Donc ce sont des outils supplémentaires ainsi que donc la valorisation de ce bac plus 3 professionnel qui doivent certainement ouvrir davantage de portes. Quelle est vos motivations pour vous lancer dans ce long parcours de la VAE collective? Pour ma part, j'ai 30 ans de carrière, j'ai commencé en tant qu'autodidacte et le fait aujourd'hui d'être directeur d'établissement, ce diplôme me permet de valider tous mes acquis et de montrer que j'ai la capacité et que tout le monde peut réussir avec des parcours atypiques. Alors, est-ce que combien de temps a duré ce parcours? Alors, ce parcours a duré 9 mois. C'est un beau bébé. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours? La difficulté, c'est toujours de travailler sur soi. C'est compliqué aussi puisqu'on est quand même sur des activités professionnelles qui sont toujours bien remplies. Donc, il faut toujours faire la part des choses entre les deux projets. Oui. Ça, c'est pouvoir se dégager du temps pour se replonger dans son parcours. Et c'est un travail important. Pensez-vous que cette VAE va vous permettre d'évoluer dans votre entreprise? Pour ma part, elle va forcément, à un moment donné, me donner beaucoup plus de confiance en moi. C'est certain, parce que aujourd'hui, ça légitime ma carrière. Et quant à moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité auprès des directeurs de services de l'entreprise. Et donc, effectivement, ça peut ouvrir des portes pour l'évolution de l'entreprise. Je vous remercie.